lynx est un félin de la sous-famille des félinés. Il vit dans le centre et le nord de l'Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Il habite les grandes forêts en plaine comme en montagne. Le lynx est un robuste félin qui pèse environ 30 kg et même 50 kg en Sibérie et au Canada. Il guette généralement sa proie sur une branche d'arbre ou sur un rocher d'où il saute sur sa victime. Parmi les félins, les lynx sont aisément reconnaissables à leur face ornée de favoris, à leurs oreilles triangulaires surmontées d'une touffe de poils noirs, et à leur corps doté d'une courte queue et de longues pattes. Parmi les caractéristiques moins visibles, les lynx ne possèdent que 28 dents, au lieu des 30 dents habituelles chez les félins. Selon son espèce, son poids varie entre 6 et 35 kg et sa taille entre 76 et 135 cm. Les lynx vivant dans les pays froids, comme le lynx du Canada, sont plus lourds que les lynx vivant dans les pays chauds comme le lynx roux ou le lynx pardel. Le lynx pardel a un pelage gris avec de longs pinceaux. Le lynx boréal a un pelage brune clair, c'est le plus gros des lynx et c'est aussi le seul que l'on peut observer en France à l'état sauvage. Le lynx du Canada a un pelage gris clair, il possède de grosses pattes qui l'aident à ne pas s'enfoncer dans la neige quand il court, ce qui le ralentirait. Le lynx roux est le plus petit des lynx, il a une teinte gris-brun, il est très adaptable, on le trouve au sud du Mexique jusqu'au nord des États-Unis. La tête des lynx, de forme arrondie et portée par un cou court, est également assez caractéristique. Les oreilles sont triangulaires, longues et ornées d'une touffe de poils noirs appelée pinceaux. Ces pinceaux auriculaires ne se trouvent que chez les espèces du genre lynx et également chez le caracal, le chat des marais et certaines races de chats domestiques. Il se pourrait que cela permette de capter la direction du vent. De longs poils le long des joues, appelés favoris, forment une collerette qui leur donne un air un peu joufflu. Comme tous les félins, les lynx ont une vision très sensible en faible luminosité et très précise pour détecter le mouvement. L'odorat est puissant, mais il ne sert qu'à la communication intraspécifique et jamais pour la chasse comme pour les canidés. Les vibrisses, souvent appelées « moustaches », se trouvent sur le museau, au-dessus des yeux, sur les joues et au niveau des pattes. Comme pour tous les félins, elles sont un organe du toucher très sensible. Les lynx ne réagissent pas à la cathare en captivité, mais seraient attirés par son odeur en liberté. Ils sont capables de nager quand il le faut, et d'excellents sauteurs et grimpeurs, grâce à leurs membres postérieurs particulièrement adaptés au bond. Des lynx captifs se sont par exemple évadés en sautant par-dessus leur clôture de 3 à 4 mètres. Comme tous les félins, les lynx sont de très mauvais coureurs de fond. Cette faible endurance peut être corrélée à la petite taille du cœur. Le poids du cœur d'un lynx ne représente que 3,4 à 6,4% de sa masse totale. Les lynx connaissent trois allures, le pas, qui est l'allure la plus utilisée, le trot et le bond. Les lynx sont surtout actifs au crépuscule et au lever du soleil. Ils chassent principalement à l'affût. Comme la plupart des félins, les lynx asphyxient généralement leur proie par une morsure à la gorge, sans utiliser leurs pattes pour les assommer. Ils peuvent parcourir leur territoire à la recherche de proies sur plusieurs kilomètres. La fréquence de chasse est d'une proie tous les 2 à 3 jours. Le
taux de réussite de la chasse varie énormément selon les individus. Pour le lynx boréal, on estime que les femelles accompagnées de leurs petits réussissent leur chasse dans 60 à 70% des cas, les mâles dans 40 à 60% des cas et les subadultes dans 10 à 20% des cas. La distance entre l'attaque et la mise à mort est généralement de moins de 20 mètres. Les lynx ne poursuivent leur proie sur plus de 200 mètres que dans 1 à 5% des attaques. Les proies capturées sont différentes selon les espèces. La plupart du temps, les lynx se nourrissent de petites proies comme les lagomorphes ou les oiseaux. Le lynx boréal est le seul à s'attaquer de préférence aux petits ongulés comme le chevreuil ou le chamois, bien qu'il arrive que le lynx roux s'attaque au cerf de Virginie et que le lynx du Canada chasse le caribou. Le lynx n'est pas un charognard et refuse toute nourriture en état de décomposition trop avancée. Les lynx peuvent s'attaquer au bétail. La pression de prédation sur les animaux domestiques est très variable selon les régions. Le cycle de reproduction des lynx est soumis à de grandes variations. Ainsi, le cycle du lynx du Canada est en étroite connexion avec celui du lièvre à raquettes et sa population fluctue environ tous les 10 ans. De même, les observations menées sur le lynx boréal montrent que selon les années, seuls 43 à 64% des femelles donnent naissance à des jeunes. La saison des amours se situe majoritairement à la fin de l'hiver. Après une parade amoureuse de plusieurs jours, le mâle retourne à ses occupations tandis que la femelle part en quête d'un gîte pour mettre bas après une gestation d'environ 2 mois. Elle élève seule ses petits et leur apprend à chasser. Ils quitteront leur mère quelques semaines avant la naissance de la génération future. Ces subadultes chercheront un nouveau territoire. La dispersion est assez faible puisque les jeunes s'installent sur des territoires proches de ceux déjà occupés. Les chatons naissent à l'issue d'une gestation de 8 à 11 semaines. Ils pèsent entre 245 et 300 grammes. Ils naissent aveugles et n'ouvrent les yeux qu'au bout de 16 jours. C'est un solitaire qui ne vit en couple que pendant la période nuptiale entre janvier et mars. En avril ou mai, la femelle met bas, dans son abri, de 2 à 5 petits tachetés. Le mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles. Les prédateurs du lynx sont le loup, le cougar et le plus féroce des prédateurs, l'homme et ses voitures. L'espérance de vie du lynx est de 6 à 8 ans, très peu atteignent 10 ans. En captivité,
Le record est de 34 ans et dans la nature de 16 ans. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.